Aux États-Unis, Mitch Romney a remporté les primaires organisées ce mardi dans l'Arizona et le Michigan. Étant précisément originaire du Michigan, il se devait de s'imposer, ne serait-ce que symboliquement. Il l'a fait avec une courte avance sur son rival Rick Santorum. Dans son discours, Romney s'est déjà placé dans la perspective de l'élection face au président sortant. C'est une période cruciale pour les États-Unis. C'est l'heure du choix et il faut faire le bon choix. Je l'ai déjà dit et je le crois sincèrement, durant cette campagne, il s'agit de sauver l'âme de l'Amérique. Sur les 11 primaires déjà organisées, Mitch Romney en a remporté 6 et ses partisans sont persuadés qu'il est sur la bonne voie pour être investi candidat républicain. Ainsi, cet homme qui affirme qu'à présent, les choses sont pliées en sa faveur. Je suis tellement excité par ces deux victoires, dit cette femme. Romney est celui qui va transformer le pays. À présent, tous les candidats républicains vont concentrer leurs efforts pour le super mardi, moment crucial de la course à l'investiture. Ce sera mardi prochain, des primaires en simultané dans une dizaine d'États. Il y aura beaucoup à gagner pour celui qui arrivera en tête et surtout beaucoup à perdre pour les vaincus.